Eh bien, salut tout le monde, c'est Lunatic. Donc aujourd'hui, pour débuter cette petite journée, on va commencer avec un tuto pour bien réussir sa mode. Donc j'ai décidé de faire cette petite vidéo parce qu'on vraiment on est tous passés par ici, y compris moi. Donc c'est chaud quand on n'arrive pas à faire notre mode, et c'est toujours bien de voir des petits tutos, même si sur YouTube il y en a déjà pas mal. Donc voilà, j'ai décidé de faire ce petit tuto pour bien vous expliquer, etc. Là, donc voilà. Donc déjà, avant de commencer cette vidéo, je voulais vous remercier déjà pour nos 95 abonnés, parce que c'est pas rien, même s'il y en a qui y sont toujours pas, et puis donc voilà, mais franchement ça fait toujours plaisir, c'est sympa. Merci. Et donc dans cette vidéo aujourd'hui, on va aborder donc trois gros points, la classe, le mode de jeu, et puis ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire pour réaliser sa mode. Donc voilà, après, franchement c'est comme vous voulez, ouais, surtout pour la classe. Déjà on va commencer avec le premier point, la classe. Donc moi déjà sur cette partie, j'avais pas une classe vraiment adaptée, mais j'ai fait un peu à l'arrache. Je savais pas vraiment que je voulais la faire, mais bon, un peu quand même, mais j'ai fait un peu à l'arrache, mais bon. Alors moi déjà je vous conseille une petite classe assez sympa. Une classe pour bien réussir sa mode, voilà quoi, il le faut de toute façon. Je vous conseillerais franchement la MP7 avec accessoire. Déjà la MP7 avec accessoire pour mettre tir rapide et silencieux, donc ça c'est important. Après en secondaire, franchement vous mettez l'arme que vous voulez, l'arme qui vous paraît le mieux. Donc après moi j'ai mis la MP9, donc franchement c'est une arme secondaire assez qui fait des bons dégâts quand même. Donc ouais, c'est pour ça que j'ai pris cette secondaire là, la MP9. Donc voilà. Après, franchement, après c'est un texte paralysant, vous faites vraiment comme vous voulez, on s'en fout totalement. Après, moi j'ai mis en atout 1, donc j'ai mis pillard, en 2, bonne gâchette, en 3, visée solide. Et bien sûr, pour réaliser sa mode, il nous faut spécialiste. Donc tout le monde là, ça, de toute façon, vous ne pouvez pas y échapper. Voilà quoi. Donc voilà, spécialiste. Donc avec spécialiste, j'avais mis une tour de passe-passe, détermination et tireur d'élite. Et après, si vous voulez mieux la réussir, en spécialiste, il faut mettre indétectable, invisible, assassin et silence de mort. Donc après là vous avez beaucoup plus de chances de la réussir. Donc voilà, c'est primordial. Donc voilà, donc pour le point 1, le premier point, donc ça c'était la classe. Donc après ouais, aussi voilà, vous faites comme vous voulez, puis il faut prendre une arme où vous sentez le mieux, où vous gérez bien. Donc voilà, ça c'est important, parce que voilà. Donc pour attaquer le point 2, donc le point 2 ça va être le mode de jeu. Donc après là ça c'est plus important qu'autre chose, parce que donc le point 2, le mode. Donc après, si vous êtes assez comique, vous n'allez pas aller en MME, ou je sais pas, vous n'allez pas aller en EC pour faire une petite noix, ou je sais pas, mais après c'est comme vous le sentez. Mais bon, alors un petit conseil, moi comme là vous le voyez, je suis en domination. Voilà, domination c'est vraiment pas mal, parce qu'on sécurise deux points, on fait des allées et venues, comme je vous montrerai dans le point 3, les déplacements, etc. Franchement la domination, je trouve c'est beau, c'est le mieux, parce que voilà, c'est le mieux, je sais pas, voilà c'est mieux, parce que déjà ça dure plus longtemps, puis vous pouvez sécuriser là entre les deux points, deux drapeaux. Quand les MME ça dure pas assez longtemps et tout, donc et puis avec les campeurs, on en trouve partout maintenant, mais bon. C'est qu'une simple parenthèse. Donc bref. Alors. Ouais, donc je vous conseille la domination. Voilà. La domination. Ou après, il doit y avoir d'autres modes, mais après c'est comme vous le sentez, mais en tout cas, ouais. La domination c'est mieux. Voilà. Donc après, c'était assez bref ce point, mais donc pour commencer le point 3, donc les déplacements, ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas faire pour mieux réaliser sa mode. Donc là, je vais déjà commencer donc avec ce qu'il faut faire. Donc là, alors, ce qu'il faut faire déjà, donc ce qu'il faut faire c'est d'être assez patient, franchement d'utiliser une arme qui nous franchement qu'on s'en sert vraiment bien, qu'on arrive bien à gérer. Oui, être patient, voilà. Surtout être patient, voilà.
Donc aussi franchement ouais bah ouais, c'est sûr faut pas après là c'est dans ce qu'il ne faut pas faire, mais franchement ne pas trop aller dans le tas du tout, parce que après vous ferez, il suffit qu'il y ait un camembert et puis comme je vous l'ai dit avant, après on s'est niqué tout de suite et puis ça nous dégoûte quand même. Franchement après t'as moi bah, tu te la mets dans le cul parce que t'as pas envie de recommencer ta série etc. Donc franchement n'allez pas trop au charbon, franchement y a, ouais rentrez pas trop dans le truc quoi. Donc là ça c'est déjà un truc voilà. Ouais. Si vous respectez ça, déjà là vous aurez peut-être plus de chance à réussir votre mode. Donc sinon, ouais. Donc sinon, je voulais vous dire, donc dans ce qu'il ne faut pas, dans ce qu'il faut faire plutôt, déjà, ouais, je voulais vous dire, pour invisible, donc là c'est pas mal parce que vous ne faites pas avoir par les soutiens aériens, des ennemis, etc. Les drones et tout le bordel et tout le bordel. Avec Assassin, vous ne faites pas avoir par les radars portatifs, les autres drones. Donc voilà, ça c'est des trucs assez pratiques parce que voilà, il vous suffit par exemple d'invisible et puis comme ça vous voyez, parce qu'à chaque fois on est deck quand on se fait niquer par un hélico ou un truc comme ça, donc voilà, franchement, invisible, assassin et silence de mort, c'est primordial. À part là, je les avais pas, mais bah si, mais après, je les avais pas, mais voilà. Donc voilà, sinon, ne pas foncer dans le tas, bien utiliser bah, son arme, donc une arme qu'on maîtrise bien, ne pas stresser. Et bien sûr, donc, ne pas foncer dans le tas, c'est des trucs importants, comme je vous l'ai dit avant. Donc voilà, voilà. Donc après, donc, en déplacement, comme vous avez dû le voir dans mes déplacements, je sécurisais le point A et C. En fait, je sécurisais A et C comme drapeau. Enfin, plus maintenant, là, je me suis dit, allez, il faut que je me presse pour avoir ma Moab et tout, donc voilà. Franchement, voilà. Donc après, voilà, c'est... Ouais. Donc comme vous voyez voilà, j'ai sécurisé le drapeau A assez, il faut faire des allées et venues tout en voilà, tout sans foutre foncer dans le tas, tout en étant patient, et puis voilà. Donc comme vous voyez là, je sécurise mon Moab et puis c'est souvent comme ça là, on sécurise notre on prend notre Moab, on est tout content, et là. Donc voilà, franchement, ouais, j'étais assez content, puis de toute façon de vous présenter un petit tuto comme ça, ça c'est sympa. Et là vous voyez que j'ai ma Moab et puis voilà. Donc franchement j'espère que mon petit tuto vous aura plu parce que moi de toute façon c'était le but de vous faire plaisir avec ce petit tuto, donc voilà. Et si ça vous a plu cette petite vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à liker notre vidéo, à partager comme vous voulez franchement. Et je vous remercie toujours pour les 95 abonnés. Allez à plus les gens, salut.